J'ai eu trois vies, une pour Robert, une pour mon fils et mon petit-fils, une plus courte pour moi-même. Je n'ai aucun regret de ne pas m'être plus occupée de moi-même, je n'en ai vraiment pas eu le temps. » Disait Sonia, femme de Robert. Robert et Sonia Delaunay, les Delaunay. Un vrai couple d'artistes, tellement proches que leurs œuvres sont quasi jumelles, frangines. Ils ont beaucoup peint Paris, la Tour Eiffel se balade dans nombre de leurs tableaux. Et dès 1913, ils étaient appréciés et reconnus par des artistes aussi célèbres que Blaise Tendrard, dont elle illustra un poème, créant un livre-objet de 2 mètres de long, et Guillaume Apollinaire, la référence littéraire et intellectuelle de l'époque. Elle fut une des premières artistes à jeter un pont entre l'art moderne, l'abstraction toute neuve, et le quotidien, dessinant des costumes de théâtre et de ballet, pour les théâtres russes de Diaghilev, entre autres, créant des robes, des objets, des tissus, des jeux de cartes, avec un sens et un goût pour la couleur qui ne s'est jamais démenti, elle passera sa vie à inventer des formes nouvelles, joyeuses, ludiques et à assurer le quotidien pour sa famille, en l'occurrence Robert et leur fils Charles. Elle fut une des premières à injecter de l'art dans les objets aussi triviaux qu'une voiture et conçut l'intérieur d'une voiture Citroën bien avant le design industriel, bien avant que Kenzo ou Agnès B. ne relouquent des bagnoles et surtout bien avant que les publicitaires avec l'aval de sa famille aux abois ne pressent l'image de Picasso comme un citron. C'est trop citron Citroën. Elle ouvrit une boutique d'accessoires de mode simultanée dont la reine Coco Chanel et la divine Greta Garbo étaient clientes. Tout ça pour gagner les sous permettant à son Robert de mari de se consacrer à son art. Elle avait peut-être pas le temps de s'occuper d'elle-même, mais moi je dis, elle avait une sacrée énergie, la Sonia.